Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans les commentaires. La décision des autorités militaires hiérarchiques d'éradier le colonel Mamadou Alpha Barry des rangs de l'armée guinéenne n'est pas appréciée par la défense de l'officier gendarme. Dans un entretien qu'il a accordé à la rédaction de Réveil d'Afrique, M. Salif Foubia Roubi, avocat du colonel Barry, annonce la saisine de la cour d'appel à travers une procédure de référé liberté. Il estime que la radiation de son client des effectifs de l'armée porte gravement atteinte grave aux droits fondamentaux de l'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale. Nous avons dénoncé la lenteur de la procédure. Il y a une semaine et demie jusqu'à présent, les lignes n'ont pas bougé jusqu'à présent. C'est le statut KO. Donc, nous sommes dans l'obligation de saisir la cour d'appel de Conakry dans une procédure de référé liberté. C'est une procédure dans laquelle nous allons demander la remise en liberté en attendant la suite de la procédure parce que devant la cour suprême, rien ne semble prouvé. Et cela depuis 2 ans. C'est exagéré et incroyable, a-t-il lancé dans cet entretien. Lundi 5 juin 2023, la défense du colonel a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de suivre à l'exécution de cette sanction des autorités militaires. Depuis le 11 novembre 2020, l'ancien officier purge à la maison centrale de Conakry une peine de 5 ans de prison pour vol aggravé. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, partagez si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.